Bonjour à tous. Salut à tous. C'est Benji24. Mais qu'elle pas compris. On se retrouve sur Fortnite. Hein? Salut à tous, c'est Christophe avec Coach. Non. Aujourd'hui, on débute SmackDown. SmackDown là. Avec un match de championship pour l'US. Ouais. Ouais. Yes. Mais qui va te combattre? Bonjour. Est-ce Sami ou Kevin? Et c'est Kevin Owens, bravo. Je t'ai vu toi. Calmez-vous Christophe, Christophe, calmez-vous, d'accord. Calmez-vous, calmez-vous. Excusez-moi, je suis un peu chaud. Non mais je vois, est-ce que vous... ce serait pas votre catcheur préféré quand même du moment? Je l'aime bien. Ouais. Il est vrai que je l'aime bien. Ouais, ça se voit monsieur, ça se voit. Les gens les respectent pas assez. C'est normal, ils ont pas de carrière. Ah. Excusez-moi. C'est pas grave. Mais qui va-t-il affronter? Ah, telle est la question. Ah. Et hey, oh, toi avec ton t-shirt des Jester, il en parle là-bas. Oh là là. Oh, c'est qui? Oh, ça fait ridicule. Oh, t'es prêt? Wow. People de mon père. Hey, what's up? The fear me, fear. Allez, tout le monde. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? You can't get the kiss. Eh ouais, les gars, c'est Arthur, on s'amuse bien avec lui. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Est-ce que c'est pas la meilleure soirée de ta vie? Est-ce que t'es pas vraiment heureux de voir Arthur, toi? Non. Si, je le sais que t'aimes bien. Non, 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 Kikri. Coach, il faut dire, il faut avouer que vous aimez Arthur. J'adore Arthur. Et que vous aimeriez le boire champion US. Ah, franchement, je mets ma pièce sur Arthur. Hein. Arthur US pour vous? Ah, pour moi, Arthur US. Pour moi, c'est Kiki. Oui, mais vous, c'est pas votre show, on s'en fout. Si. Ah, ok, pour moi. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Christophe, what's up? Oh, what's up? What's up? What's up? Stop! Le match va débuter, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices et. Et les chiens. Bravo, la patte. Tout de suite, l'arbitre qui a présenté la ceinture. L'arbitre qui présente sa ceinture, qui est belle, aussi petite que ma bite. Ouais, pour avoir vu Christophe, je confirme ensuite au coaching sur le match. Allez, c'est parti pour le match. Allez, moi je vais me pied sur Arthrous. Merci, coach. Et donc, Arthrous a gagné le match. Oh bah, il a déjà un face rusher. Ah, directement, Samy qui a grincé les dents. Je l'ai vu avec Extra Enduring. Attendez, ouais, bah, il grince les dents. Je vois Samy, ouais, il a mal. Ouais, non, mais il a ça fait mal au cul. Arthrous qui a gagné le match. Il a sur t-shirt. Oh, bah, il est beau. Eh, ça vous aime pas la nouvelle tenue d'Arthrous. Ah non, mais regardez, Kofi. Kevin, ouais. Ouais, par... Hop là. Voilà. Le coup de là. La corde. Ah, linge. Là, parfait, c'est l'heure des gens de nos affaires. Ça crie. Oh, ça part pour là. Merci Christophe. Ouais, attends. Il y a Arthrous là, il tape Kevin, j'aime pas. Ah, mais là, Arthrous qui fait la souplesse directement. Arthrous, attendez, mais il est ultra chaud, il part. Oh. Prise. Une prise que tu connais pas. Mais tu connais pas le nom. Et ça part pour une prise. Il relève. Arthrous qui relève Kéké. Il le pousse dans la corde. C'est facile. Arthrous qui. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, mais je me suis retenu. Je peux vous comprendre. Ah, et simplement zéro. Arthrous, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça d'habitude. C'est pas son habitude ça. Le saut d'Arthrous? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, bah oui, eh, bah oui. Il s'est pris les cordes en plus. Mais Arthrous, voyons, tu fais pas ça. Allez, punis-le. Ah, là, il va se faire. Là, il va, il va se faire punir. Il va prendre, Kevin. Kevin qui. Oh, bah, qui respecte pas Arthrous. Il respecte pas, hein, comme son attitude de base. Kevin. Il respecte rien. Ah, Samy, il est content, regardez-le là. Samy, il est content. Et Carmela, elle est content, on la voit pas. Carmela qui est du côté du ring, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah, ça, oh, ça va faire mal ça, ah, oh, ça c'est méchant. Méchant. Comme son personnage ensuite au continu du match. Arrêtez d'insulter mon Kevin. Enfin, le Kevin. Ouais, attention hein. Kevin Owen, le catcher. Ouais, mon Kevin il a dit. Voilà, oh, Arthrous, le meilleur catcher du monde qui vient de redevenir là directement. Ouais. Qui vient de redevenir. Oh, et le bon kick de Sheamus. Oh non. Ça projette. Arthrous. Oh, c'était super beau. Oh, people of the world, what's up? Il a levé dans les airs. Ah, c'était magnifique, comme j'ai levé sa mère. Ensuite, on passe à la sur le match. Oh, non, Kevin, oh, Kevin, oh. Oh, le... y a plus rien. Wow! Quoi? Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'était passé quoi? Je sais pas, j'avais plus rien pendant un court instant, mais nickel, c'est bon, c'est là. C'est pas grave, vous avez fait un coma, Christophe. T'as fait un retour, je sais pas, c'est peut-être toi. Oh! Non, j'ai rien fait. Contre-coup spécial, vous avez fait juste un AVC. Allez, on y va. La soumission de Arthrous. Excusez-moi, mon cher coach, j'ai eu une absence. Oh, oh Arthrous champion le tournant le tournant brille.
Dédicace à Wankil. Mais Wankil, je vous le dis. Wankil, je vous le dis. Et après, mon cher Cole, il va falloir que je augmente le son de votre micro. D'accord. Attention. Oh, ça part. Pour le. Bah, contrer parce qu'il lui fait un bisou. Non, ça dégage. Ça dégage directement, Kéké. Kéké qui part en UFC. Que voilà, fait-il? Comme Ronda d'ailleurs. Attention. Le remet dans. Oh, oh, oh. Il va passer par-dessus. Ça le jette dehors. Oh, 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 oh. Kevin. Ça part pour un apprenti Dignity Orton. Allez, on a Arthrous qui a eu du mal. Ouais, Arthrous qui est un peu vieux aussi, il a 43 ans, je crois, 45, on sait pas. Oh là, Kevin, Kevin. Oh, je sens qu'on prépare un truc dans son sac. Ça prépare, ça c'est prépare. La pop-up. Kevin. C'est la pop-up. Pop-up. Est-ce qu'elle va passer? La pop-up, pop-up qui passe. Powerbomb. Le tombé. C'est la fin, c'est la fin. 1, 2, et Arthrous. Simplement 2. Ah oui, 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 simplement 2. Arthrous qui surprend. Vous n'essayez pas avoir la magnifique image de Golden Truth derrière une personne qui a un t-shirt. Mais qui n'existe pas. Ah ouais, je le vois actuellement. Et Arthrous qui remonte sur les cordes, dis donc. Et Arthrous qui tente, c'est pas passé une fois, j'espère pour lui qu'il va y arriver. Attention, c'est pas du tout son avantage oh, ici. Oh, il le relève. Ah, il attend, cette fois il attend. Est-ce que c'est pas la bonne idée? Il faut peut-être pas attendre, c'est peut-être pas une bonne idée. Arthrous. Arthrous. C'est passé, c'est passé. Ah, le roi, attention Kevin. Run killing. Oh, Kevin qui. Oh, le spinebuster à une main. Ah, il en a rien à foutre, Kevin. Ah, Arthrous a toutes ses chances. Arthrous, qu'est-ce qu'il fait? Le trou hors conséquence. Oh, il est passé. Ah, je connais, hein. Oh, il le relève. La prise est passée. Et le lit, Jimmy, je suppose. Non, un clash. Oh, là, paf. Oh bah ouais, bah fallait pas. Oh non, bah, bah du coup. Oh là, hop là. Oh, 649. 649. Oh, que se passe-t-il? Oh, il le relève. Ouais, le coup de genou. Il s'appuie des cordes. Ok, très bien. C'est un match d'antès. People. Avec Arthrous. Au Wonder. Ah, ça va partir sur Lily Jimmy. Ah, je crois. Hein. Ça peut être la fin du match. Ça peut être la fin du match. Oh, Lily Jimmy. Oh, il a fait saigner son adversaire. Qui saigne. Avec un Lily Jimmy. Est-ce la victoire d'Arthrous sa plus grande victoire? 1. 2. Incroyable. Incroyable victoire d'Arthrous. Yes. Ah, je suis surpris. Ah, je suis content. Ah, c'est la prise que j'ai loupée quand j'ai eu un AVC. Ah, il avait fait ça, j'ai pas vu. J'ai eu un AVC. Excusez-nous, on était un peu rebou pendant le match. Le magnifique pop-up. On va s'en sortir. Regardez ce magnifique pop-up quand même. Ouais, mais bon, il a perdu le match, on va tranquille. Et Arthrous s'est relevé. Et Arthrous sera WrestleMania directement. Non, je pense qu'il aura plus de titres. Oh, si, c'est Arthrous. C'est Arthrous. Si, tiens, avant de titre. Trop de conséquence, comme on dit. Mon cher premier champion de SmackDown. Bah, Arthrous. Plus haute que Arthrous. Comme quoi. Comme quoi. Le show, plus la merde. Non, c'est pas, on va se retrouver pour la suite. Ouais. T'inquiétez pas. T'inquiétez pas. Voilà, what's up, les gars. Ouais. Allez, à de suite. À de suite. Il me prenait sur le tracteur. Et re tous sur SmackDown. Salut à tous, on est reparti les gars. Sachez que coach m'a dit une anecdote. Allez, on continue. On continue avec Christophe et Nia Jax. Match incroyable, pas du tout. Battle Royale. Première participante partie. Ouais. Elle. Et prétend Nia Jax. D'accord. Mais ce match est prévu donc pour le titre Women Championship de SmackDown. Et c'est un Battle Royale, je dis. Il y aura 6 divas qui arrivent pour le Battle Royale, évidemment. Coach! Bien joué, Christophe, et directement! Directement, Nia Jax, on avance. Il a dit pute. Il va tomber derrière. Et la deuxième! Oh my fucking god, Mandy! Oh, chut! Appréciez, regardez. Évidemment, Benji, deuxième catcheuse du Battle Royale prétendant pour le titre de Spain, hein. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, Christophe. Ouais, excuse-moi. Je vais aller à la pharmacie bientôt. C'est pas très grave. En tout cas, Mandy Rose qui est là déjà, c'est la première apparition, c'est beaucoup. Voilà. N'oublions pas qu'elle a fait le mix tag avec Goldust, très clairement. Allez, ça c'est bien passé. Prochaine catcheuse. On continue. Ah, ma préférée de ce match, je vous le dis, clairement, je vous le dis, je mets ma pièce sur Asuka. Non, mais je comprends, moi non, aussi, je mettrais une pièce, c'est pas qu'une pièce. Et pas, il mettrait même un billet de 50. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle a aussi toutes ses chances, mais on rappelle que c'est une barre. C'est vrai. Elle mais me fait pourtant, peur. C'est une habituée, on rappelle, première gagnante du Royal Rumble féminin. C'est vrai, faut le rappeler, c'est important. Donc, Osaka Japan. Elle fait peur. Très peur, mais je mets ma pièce sur elle quand son même. Masque. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines prétendantes.
Et moi aussi, hein, Philippe. Et vous inquiétez pas, on va pas tarder à regarder le match, René. Ça va, vous inquiétez pas. Tout le monde. C'est parti. Asuka, la meilleure catcheuse techniquement, c'est faux. C'est vrai aussi. C'est pas trop. Oh, legit boss. Oh. Ça fait. Il y a Sacha qui arrive. Sacha, Sacha. Bah dis donc. Oh, j'essaie de faire un peu comme ils font dans la vraie vie. Sacha qui arrive. Incroyable. Incroyable. Tu peux skipper. Chaussure, pote, violette, magnifique, ma chérie. La cousine de Snoop Dogg. Évidemment. Qui fait de la drogue. Violette. Cousine, deux drogues, c'est tous des fils d'eux. Allez, suivante. Heureusement, elle a pas suivi le même parcours que son cousin. On y va. Allez. Elle est pas droguée, on y va. Directement, c'est qui? Et là, mais oh. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Je mise. Ah ouais, vous mise sur elle? Pièce. Ah ouais? Dessus. Elle va repartir dans les vestiaires après ou elle le catch? Attends, on sait pas. Ah, parce qu'on la connaît, hein. Je dois vous aller, je serai fort en montage, je l'aurais fait repartir et j'aurais mis une autre catcheuse. Mais c'est rigolo. Pas le cas. Hein. Mais c'est pas possible, pourtant je mise bien dessus. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est la vacante de ce match. Vous l'avez suivi à NXT, cher Christophe? Pas du tout. Très bien, on continue le match. Et c'est la catcheuse, c'est Peyton, bien et évidemment, les gars. Voice. Et nous apprenons le retour de Santino Marella très bientôt. Dans le Royal Rumble des Divas. Santina Marello. Ah, Santina Marella. Et Peyton qui est la dernière catcheuse de Six Man. Et on en profite pour faire une petite pensée, un joyeux anniversaire en retard pour Roddy Piper, qui est malheureusement décédé, donc merci à lui. Et à Bob Orton. Ah, moi je suis à fond dans mon rôle. Mec, a pas compris. Bob, on pense à toi. Pense à toi en tout cas. Sache que depuis là-bas, on s'amuse. On y va. Allez, c'est parti. Allez. Attends. Oh, attends. Attendez, mon cher Christophe. Attendez. Allez, les gars, attendez, il y a un problème technique. Un problème technique. José. Attendez, c'est bon. Allez, c'est parti pour ce match d'anthologie. Petite pensée à Jelly. Et on passe à CM Punk. Et on passe à CM Punk qui l'a mis enceinte. On comprend déjà plus rien. Nia Jax contre Asuka. Attendez, Peyton déjà en difficulté. Peyton éliminé peut-être par Sasha Banks directement. Nia Jax contre Asuka. Tout le monde a choisi sa cible. Malheureusement. Oula, Asuka qui a déjà. Mais Peyton Peyton, attention, Peyton, hein, Peyton Rose directement, comme le marque de la voiture. Qui s'affronte. Asuka, attention, Asuka le contre directement sur Nia Jax. Asuka qui affronte quand même Nia Jax, c'est assez dangereux. Qui affronte quand même la plus grande. Voilà. Vous êtes très poli, mon cher coach. Merci. Je m'attendais à une phrase. Il affronte le tank. Les gars, vous voyez dans les MMO, il y a le magicien. Et il y a aussi le tank. Oh, Mandy Rose est éliminé par la Sevan. Oh putain, on faisait des blagues, Mandy Rose. Ah, là, c'est. Je vous avais dit, Christophe, il coach. Je vous l'avais dit, Christophe, à Julius. Sur la WWE. Hop, on apprend que la SC est éliminée. Oh la Peyton. Du coup, Asuka, son adversaire qui va nous faire des petites provoques. Qui nous fait un petit show. Pour titiller le public. Ah ouais, tout le monde adore. Ah oui. Peyton qui est un peu dans la merde, j'avoue. Ah, une contre Nia Jax, c'est chaud, hein. Oh, Peyton. Oh, pas mal. Un char contre un tank. Hop. Oh, Asuka. Asuka un peu en traite. Ouais, ça j'aime bien. Ça part. Ah, ok. Là, c'est Evan qui a bien compris ce qu'il fallait faire, elle s'était cachée. Elle a compris. Boum, oh, Asuka. Asuka, elle fait tout le monde. La C, elle a peut-être mourir du coup. Du coup, elle est mort. Tu l'aimes bien, la C, c'est bien. Attention à Asuka. Asuka qui est en très mauvaise posture là. En pole position. On va poser des cordes avec Asuka. Avec Asuka, avec Sacha. Oh, Peyton peut peut-être faire l'exploit. Peyton qui est en train de faire un exploit. Nia Jax qui fait un exploit. Oh, attention là-bas, ça va peut-être s'éliminer là. Ouais, oh le coup de pied, oh là là. Ok, Asuka qui veut peut-être éliminer Sacha Banks directement. Est-ce que quelqu'un... Non, Peyton n'est pas éliminé déjà. Non, ça va, c'est oh là, si. Sacha. Sacha qui reste dans le match. Peyton, non, Peyton. Peyton, erreur. Erreur de débutant. Oui. Là c'est qui, voilà, là c'est qui en profite. Oh là c'est, qu'est-ce qu'elle fait. Oh, joli. Joli de la part de la C. Belle prise. Faites gaffe à vos lacets, Christophe. Depuis tout à l'heure, Sacha et Asuka sont coude à coude là-bas, on sait pas trop qui l'emporte. Veuillez souligner ma blague, s'il vous plaît. On va savoir qui l'emporte, du coup, attention, j'ai pas le temps. Oh. Asuka est éliminée. La favorite. Nul. Cette battle royale. Nul. Ah, j'avoue qu'il y a une battle royale de meuf, toi t'es triste. Non, c'était le mec de la dernière fois. Il va y avoir Sin Cara. Oh, du beau du DJ de Peyton. Oh, Sacha, non, Sacha en fait trop. Non, Sacha en fait trop, c'est attention. Attention à Lacé, hein, qui est dans le coin quand même. On rappelle quand même que ouais, Lacé est toujours là, ma favorite. Et Peyton, hein, par surprise. Ah, du coup, bah, au moins j'ai encore Peyton, c'est tant mieux. C'est un peu comme Sin Cara, grosse surprise.
Ouais. Que la chanson de Payton. Sauf que Sin Cara, il a vraiment failli le gagner. Ouais. Oh, attention, Sacha. Sacha en difficulté. S'il y a Josh Guide, ça va être la terreur à SmackDown. Non, il n'y aura surtout pas de place sur ma petite. On continue directement. Parce qu'elle est grande. Oui, elle est très très grande. Alors, on continue directement le show. Pas Sacha. Voilà. Oh, Payton, Royce là directement. Allez, Payton, t'es la meilleure. Non, là c'est quel futur. Ah, là c'est qui part pour une belle souplesse. Ah là. Sacha qui galère contre Nia Jax. Là, je commence à avoir très peur. Oh, ça part un speed. Roman Reigns. Oh, le power bomb. Oh là, c'est foutu. C'est là. Oh, bah elle fait tout le match. Oh, là c'est. Oui, c'est bon, là c'est. Moi, tu me tiens inversé. Allez, là c'est le moment. Elle peut éliminer Nia Jax. Elle peut éliminer le tank. Oh là c'est. Quelle puissance. Oh la vache. Oh, la puissance de la Sevan. Oh la vache, c'est pas Sacha qui l'aurait salvé. Allez, on y va. Coach, salvé. Salvé, allez. Tu voulais me dire quoi, Christophe? Je sais plus. Nickel, Christophe, je vous aime bien. Continue. Ouais, je sens que la série va passer par le sortant de corde. C'est un match très serré entre les quatre là. Fallait que je parle, mon cher. Non, la Sevan, non. Aïe, non, tiens-toi aux cordes. Oui. Ça va, les connes. Ah merde, elle se fait violer quand même. Oh, non, Payton, non. Que se passe-t-il? Sacha, Hurricane Rana sur Payton, qui est éliminé. Bien joué à Sacha Banks. C'est le favorite de Kita, de coach. De coach, ouais, parce que bon, là, on part directement dans le perso. Oh. Oh, vas-y, là, c'est éliminé. Vas-y. Là, c'est ce qu'elle va faire, l'exploit. Non. Là, non. Mettez-vous à 2v1. C'est compliqué, hein, d'éliminer Nia Jax. C'est compliqué d'éliminer un tank. Je sens que là, c'est ça va être la fin. Nia Jax, c'est trop compliqué à éliminer. Ouais, oh là là, c'est mal parti. Ouais. C'est très mal parti, Il manque plus que Sacha. Oh putain, mais elle est chutée. Sacha qui se fait violer aussi. Bon, allez. Boire son sel. Bon, bah, toutes celles qu'on voulait voir gagner, on sont parties, malheureusement. Bon, bah. Ça va être une nouvelle championne à contre-cœur. Nia Jax qui détruit Battle Royale. Hein. Ah, bah, après, elle fait clairement un très bon Battle Royale. Clairement le poids. Les autres ne font pas, en tout cas, le poids. Ah, on dirait contre deux, dans contre dedans, mais pas quoi contre quoi. Sacha qui peut peut-être faire l'exploit là, qui met des petits. Eh, on y croit. On y croit plus. Attends, non, on y croit plus. La fin de la game. C'est en train de la soulever. Oh, ça va l'acheter par-dessus à trois. Oh non. Oh, Sacha Bank. Oh, bien joué. Allez, la banque. Sacha, faut faire quelque chose. Sacha, c'est maintenant ou jamais. Sacha Banks. Pense au titre. Pour le titre. Sacha Banks. Pense au. Allez, grande. Oh, la soulève. On ne peut pas voir quel miracle. Par contre, en wifi, elle la soulève. Mais oh, j'ai cru. Non, elle est pas passée, mais c'est possible. Attends. Sacha, dans la touche. C'est la jambe. Oh, pardon. Sacha, rapidité. Il y a Sacha, il y a moyen. Oh, le bulldog. Ah, pourtant, Baudelaire, c'était pas là. Il y a toujours notre pote Golden Truth là-bas. Ouais, t'inquiète. On l'aime bien. Allez, faut que tu... Aïe. Une boule d'énergie, ouais. C'est énorme. Le coup de Kairi Sane. Mais c'était pas le même poids. Je sens que Nia Jax va devenir championne. Ça va être fini. Ah, la souplesse peut-être. Ça va être fini. Ça fait comme... Nia Jax. Avec un Samoan drop. T'as quelque chose préféré. Vous êtes championne de SmackDown Live. Oh, ouais, on voit la belle prise qu'on a portée par la Nia Jax. Oh, ma pauvre Payton. On va aller à son Payton aussi. Et il met son Sacha maintenant. Et à son Sacha. Sacha des Pokémon. Voilà, qui a été éliminé. Voilà. Bien joué, elle. Victoire de Nia Jax, quand même, qui a fait un très bon Battle Royale. C'est vrai. Qui sera la prétendante contre elle. C'est vrai. C'est pas encore. Parce qu'on ne saura pas. Allez, on continue pour la suite. À la suite, elle, bon. Et on continue pour le match Tag Team Champion of the World. Bon, écoutez, ne soyez pas gris et frappez dans vos mains pour vos champions par équipe 5 fois et sentez la puissance. Allez les enfants. Oh, il est paniqué. Oh, c'est une nouvelle entrée, j'avais même pas vu. Ah oui, toi t'es en retard. Mais regardez les céréales de Biggie. Oh là là, Bigo. Et les pancakes de Kofi Kingston. Il est où Bigo? Oh oui. On regarde cette danse. Alors que c'est qui coach? Aujourd'hui c'est Xavier Biggie. Là, qui est à droite, mon cher coach. Ah, j'ai pas mes lunettes. Kofi ne va pas jouer aujourd'hui. D'accord.
On peut manger pancake. Sophie qui est pas à jour, les autres ont pas à jour sur leur tenue, mais c'est pas grave. Ah, on peut manger pancake ou pas? Ah là, je sais pas si on en mangeait, mais j'espère qu'il va venir et nous en donner, hein, Kofi. Ah ouais, pendant le match. Kofi, on t'aime, hein. Hashtag love Kofi. J'ai pas trop envie d'avoir ses boutillos. Ah, mais... moi non plus, mais il l'a acheté où? Je sais pas. Oh, je l'ai vu là-bas au fond. Ah oui. Ah ouais, c'est le boss qui l'a. Il y a toujours notre pote avec Goldust. Ouais, on connaît, hein. Un habitué. Nous J-Rax. Donc à la base, il devait y avoir Anson et Rui, hein, mais ils sont pas là. Nous, J-Rax. Nous, J-Rax. Anson et Rui qui devaient faire leur début. Ah, c'est vrai. Ce soir. Il a quand été remplacé par New Day. Leur avion a pas décollé. Leur avion s'est crashé. Coup, ils sont plus là. Une visite de silence pour Anson et Rui. Ok. Ah non, c'est une fausse info. Ah, ouais, du coup. Ah, ils sont pas crash. Ah, c'est pas l'avion. Ah, excusez-moi, Anson et Rui ont une grippe. Il y a une grande différence entre la grippe et la mort. Les Ousso. La deuxième tag team est, je dirais même, la meilleure tag team de SmackDown de l'année 2017. Ah ouais. 2018. Voire même 2019. Ah oui, non mais... Ils sont pas là en 2019. Mais ils sont dans ce show. Et ils sont là pour montrer que bah, c'est tout simplement les meilleurs. Les Ousso, Jay et Jimmy Ousso. C'est lequel, lequel? Merci, elle le répète. À droite. Non, c'est... Et donc, on continue le match, les gars. Ça va être parti pour le Tic Tac Team de SmackDown. C'est tout de suite. Allez, on va y aller. Ah non, c'est parti pas. Pour le combat. Xavier contre Jimmy ou Jay. C'est... Oh, t'es fort. Oh, ça claque dans le force. Public, ça claque, hein. Bah ouais, derrière, il faut popper l'up, hein. Ah, y'en a un qui est en train de faire des trucs. C'est comme nous, on peut apercevoir... Voilà, j'arrive plus à parler, Christophe. Dans le public, on peut apercevoir quelqu'un qui a la médaille de Rousseff. Je te laisse chercher. Il y en a même un autre derrière, c'est son frère jumeau. Ah, il y a un autre Golden Trousse qui t'envoie à droite. Ah, effectivement, allez, on continue le show. On continue le show, du coup, les gars. Il y a quelqu'un qui a le t-shirt d'Aska en bas, on continue le show. Oh, oh. Xavier directement. Xavier. The oh, Big. Oh, bah, non, pour pas la conf comme ça. Xavier. Xavier qui attaque avec Biggie, Bigo qui rentre dans le ring. Ça part. Snapmer. Ça part pour le. Oh, écoute, je veux Biggie. Et... Oh là là. Ça enchaîne avec l'autre du sang du coup de Biggie. Et ça enchaîne. Oh là là, le Xavier. Oh, New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. Mais quel bel enchaînement de la part de New Day. Eh, ça me surprit. Oh, Biggie qui se fait contrer. Ah, dommage. Dommage pour Biggie. Mais très bel enchaînement de la part. Ouais, mon surpris. Moi aussi, franchement. Attention, les Ousso vont-ils se surprendre aussi? Ah, autour des Ousso. On va voir ça. C'est autour des Ousso, que font-ils? Ok, Jimmy qui court. Jimmy qui. Oh la jambe! Ouais. Allez, on continue. Ça doit faire mal, par contre. Quand ils étaient méchants, ils l'ont fait 3 jours. Et ils l'ont arrêté. Normal, ça blesse. Ouais, mais Biggie. C'est une prise qui est super stylée. Ouais, ils le font plus, on y va. Détruit la jambe. Biggie got moves. Oh bah, Biggie qui fait des sorties. Allez, on va aller faire le tag à Bigo. Ça reprochette, ça va repartir pour du tactique. Oh, ça part sur un découpage en deux. Non bah, c'est bon, il l'a baisé. Oh bah, oh, non, il est toujours là. Oh ouais, Jimmy. Il s'est fier. Je crois que c'est Jack comme ça. Moi, je sais pas. Ousso. Allez, Ousso. Un autre tag. Oh, ça m'a l'air croustillant. Oh, mais ça, c'est. Ça, c'est. Oh, c'est sa prise de soumission, ça. Et que fait? Mais c'est Luxo Splash sur la jambe! Putain, stylé! C'est super stylé! Oh! Oh, les Ousso qui font. Et qui enchaînent! Les Ousso qui enchaînent! Et qui... Ah, les Ousso qui veulent le titre! Hein. Les Ousso qui enchaînent encore avec un DDT! DDT directement par Jimmy! Ah, Biggie qui triche! Biggie qui s'est fait. Ouais, Biggie qui a l'avantage du coup! Oh, Biggie qui a pris l'avantage du coup en se faisant ça! Et qui... Oh, le découpage! Le deuxième Ousso! Et cette fois, il peut enchaîner! Avec bam. Une sorte de powerbomb. Qui est beau. Biggie. Pas de respect, Xavier pas entré dans le ring depuis. Il est vrai. Attention, je pense que ça va être le tag, voilà, j'ai bien fait d'en parler. Bah non. Ah non. Ah, on le repousse de l'autre côté. Le tag avec Jay. On dirait que c'est Jay lui. Ah, tag avec Jimmy. Ok, ça part pour une prise encore. En tout cas, belle cohésion d'équipe entre les frères. Ils s'entendent bien eux. Les cousins du rock. Beau tag team, les New Day aussi s'entendent bien, mais arrive-moi à faire le tag. C'est Biggie qui est en difficulté, Biggie, quand même. Ouais. Assez surpris. Tu m'étonnes. D'habitude, c'est Xavier qui en prend plein la gueule. Mais Ousso qui arrête pas. Ah voilà, oh. Il fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Et voilà, Biggie, c'est son moment. C'est maintenant que tu peux repartir. Le Spinebuster. Voilà. Ah, le tag, le tag directement avec le Ousso. Jimmy. Oh, joli le fou. Oh, bah voilà, non, faut peut-être se calmer. C'est Biggie. Biggie qui a pas envie de faire un tag, il a encore un AVC. Biggie, c'est bon,
qui reprend le coup. Oh, le splash. Le splash Biggie. De Biggie. Biggie pour le splash de Biggie. Oh, oh, magnifique, magnifique ma chérie. Magnifique splash de la part de Biggie. Biggie projette son saut dans le coin. Que va-t-il enfin, faire Xavier en action. Oh, 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 oh. L'OMG moment du New Day. Oh. Ça part pour les coups de pied dans le coin. Oh, hein. Biggie, oh, Biggie. Oh, oh, Xavier qui rentre. Hop, à Kofi maintenant. Oh, oh, Kofi. Xavier, Biggie. Oh, c'est stylé. Oh, c'est hein. Très beau. New Day qui régale. Oh, oh, oh. Xavier qui je revient. Je pourrais faire un bon arrêt cardiaque. Regardez, regardez, regardez. C'est magnifique. Le ouh. Drop kick. Oh, il faut tenter de tomber avant qu'il y ait l'autre. Je respire plus. Bah, moi non plus, Christophe. Ça peut se finir là-dessus, hein. Oh, oh Biggie en plus qui s'occupe. Oh, ça fait que. Dégager. Ah, hein. Ah, oh, il ouais, y en a qui a été viré du ring. Ouais, je l'ai bien vu, le petit Jay. Jimmy est tout seul. Ah, Jimmy qui se bat bien. Ouais. Le retour de Jay. Ouais, Jay, ça va. Il est de retour. Il a pris quand même beaucoup de béliers de la part de Biggie. Ça a dû l'affaiblir un peu. Dû, ouais, ça a dû le calmer un peu. Kofi qui a un Alzheimer à gauche là-bas. Ne vous inquiétez pas. Il va bien. Il est en AVC. Tout va bien. Du coup, je regarde Kofi. Regarde-le. Les gars, laissez-moi catcher. Oh, belle claque de Jimmy. Je respire un peu parce que je vais faire une prise. Oui, allez-y, ne inquiétez pas. Je vous laisse continuer, mon cher coach. Ouais, je commence à avoir mal au cœur, mais on y va. Ah. Ouh là, la prise oh, de le cochon pendu. Le cochon pendu directement. Que va-t-il faire? Le cochon pendu 2. Que fait-il? Ah, il va lui éclater la face, je pense. Jimmy? C'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Il l'a écrasé. Kofi, il faudrait peut-être appeler un médecin. Je crois que les gars, Kofi a un problème. Il va falloir faire quelque chose là pour sauver. Ah, ça va tag avec TJ ou pas? Xavier qui en prend plein avec lui. Ah, bah c'est comme d'hab. Le tag. C'est le ah, tag cette fois. On y va. Oh, cette fois c'est le. Ça va être le Ousso Splash. Oh, Ousso Splash. Ils ont sorti tout l'arsenal aujourd'hui. Oh, petite fatigue du côté de Jimmy. Ouais, mais du coup ça va gâcher. Pas... Ouais, Biggie, voilà. Oh, le super kick a failli partir. Oh, on enlève Biggie ouais. Du ring. On prend du 64. Biggie a... Oh, qui est passé, ouais. Oh, je sens le très super vite. Kick arriver. Non, ça va. Super. Non, oh, le non, de Xavier, Xavier, Xavier. Oh, Didi. Tag instant. À Biggie. Oh, le tag avec Biggie. Oh, oh. Ils sont en train de... Les gars, vous êtes trop de oh, côté. Le finish. Un pas de down à l'envers. Nouvelle version. Mais y'a Jay. Vous savez qui t'a pas Biggie. Y'a Jay. De... Ah non. Ah si, j'ai oh, eu peur. Si, il arrive à temps, sinon c'était fin du match. Oh, bah, il vient de sauver son match. Ouais, c'est vrai. Voilà, on l'a 1v2. Oh, la voilà, il a du mal. Ouais. Oh, oh dommage, Xavier et Paige étaient mieux. Oh le coup de pied, c'est... ça part en... Oh ça part en... Dans les... pas d'où. Oh ça part en couille les gars. Oh le super kick. Il y a Ousso qui est au sol. Sauf qu'il y a Xavier, il y a Xavier. Il s'en bat les... Non. Oh le super kick, Xavier qui s'en bat les couilles. Mais il va c'est intervenir quand même. Hein. C'est la fin. Ah il y a Xavier, il y a Xavier. 1, 2, Xavier. Ah il s'est dégagé en tous les cas. Biggie s'est dégagé en tous les cas. Ouh. Ouais, Ousso là qui reprend... Oh là, il a regardé Xavier mal. Ah non, vous. Je crois, il a regardé Xavier dans Golden Truth plutôt. Le t-shirt il a mis c'est fait. Oh JJ. JJ enchaîne. Oh joli. Ouais joli joli. Joli jump. JJ qui a enchaîné. JJ qui fait des trucs mais voilà. Jimmy ah, qui se relève. Jimmy. La soumission. Soumission. Que je connais pas le nom. La Kanyogadagadash. La Kamalopola. Bah attends il peut le faire abandonner hein. Xavier n'intervient pas hein. Biggie ouais. Peut à tout moment abandonner cette prise. Eh ouais les Ousso. Les Ousso champions. Il a fait abandonner. Les Ousso sont les champions de SmackDown. Xavier, Xavier est nul. Les tenir. Xavier est nul. Les Ousso, premier champion de SmackDown. Eh ouais, bien joué. Le New Day pourtant qui était pas censé être là ce soir. Bah comme quoi. Pour essayer non. De toute leur force. Ça servait à rien de venir. Mais n'empêche, ils ont fait des beaux moves. Bah comme celui-là actuellement là qu'on est en train de voir. Voilà, regardez, regardez, regardez. Eh bah on regarde plus. Merci Patrick de la compta. Le monteur a dit, regardez. Et là, le Ousso Splash. Le Ousso Splash. De Jay Ousso. J. Et là le B. Eh oui. Ouais. Up up down down inversé. Ils ont en. Et voilà les Ousso. Gagnant du titre les gars. Ils l'ont mérité. Bien joué. C'est des chefs de SmackDown. Bien joué. Très bonne équipe. Bien joué. On va passer pour la suite les loulous. Bah il sera tout seul. Eh c'est parti. C'est parti. Et les amis, mais on est de retour. Ouais déjà on est déjà à l'antenne. Mais... Ah bah... Déjà ouais.
Vous voyez qui voyait. Et voyez qui voyait. Les gars, un peu de fatigue ce soir. Avec deux émissions, c'est beaucoup. Hi, God Kids. Et donc, East Hector en approche du ring. Tout simplement, on va découvrir qui est son adversaire. Directement, parce qu'il a des gosses. Mais qui entends-je? Serait-ce le meilleur catcheur? Ça se dit entends-je? Oh bordel! Qui entends-je? Oh wow. Baron Corbin! Ils sont 37! Avec tous ses potes! Regardez, ils font les mêmes bouffes! Appling the darkness, I am the tender. I come from hell and I pull you under. Je pense que ça veut dire oui. I make you feel the wrath of my way. I bring you here, I bring you end of day. Voici venir la face de SmackDown. C'est moi qui fais le show, j'ai mis Baron Corbin contre East Letter pour montrer qui peut battre cet imposteur. Arrive, je trouve ça bien. Benji oui. Non, non, ouais, quoi? Il y a un attaque à nous. Christophe, vous l'aimez beaucoup ce catcher, n'est-ce pas? Ah oui, je l'adore et j'ai vu qu'il est dit avec ses potes, ils sont pas du tout là pour tricher. Et il a une nouvelle tenue pour moi. Eh, est-ce qu'il est beau? Il a retrouvé des cheveux. Incroyable la notion que je vais donner, ça a marché. Eh les gars, nouvelle notion incroyable, n'hésitez pas à acheter un marchand tour 2 pour 5,99€ seulement. J'ai des projets. Putain, mais quand c'est baron, il est chaud hein. Ouais. Oh bah il a rien servi la chemise. Allez. Baron qui servit. Oh la fin du match. C'est pas grave. Hop, là, c'est fini. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, Baron s'est dit je vais remettre la chemise, il fait un peu frais là, vous avez dit. Oh, et regardez la pancarte East Letter, vous l'avez vu? Ouais, bah East Letter, vous l'avez vu, vous allez plus le voir dans quelques secondes. Regardez cette. Mais quel homme il a fait de beaucoup de la. Eh, on le téléphone, ça s'en bat là. Allez. Ils ont changé de t-shirt en plus. Ah, non, il est toujours au safe. La gueule, Golden Truth, il s'est juste assis. Parce que le match hype moins. Hey, levez-vous. Regardez ce match incroyable. Y'a personne qui se lève. Oh le téléphone là-bas. Regardez, là. Regardez ce droite, regardez-le. Ce droite, ouais. Cette projection. Oh. Regarde le mec en public. Ouais. J'étais terre d'un famille d'un seul coup de poing. T'es mal le bleu là, regarde, t'es mal. J'ai pas le temps. Moi oui. Regardez ce match incroyable. Mais c'est Baron Corbin. Il est en train de détruire East Letter. Regardez ça. Regardez plus. Oh, East Letter, il se remet. Eh, hey, ah est-ce qu'il aurait pas des gosses ça. Voilà, ouais, mais regardez ces gosses qu'il en fait. Après, techniquement, Baron a une meilleure carrière qu'East Letter quand même. Voilà, Baron, voilà. On va pas se mytho, on va se mytho. East Letter, East Letter. Voilà, ah, c'est Baron East Letter, vous voilà. Savez. Un coup de billet de Baron Corbin. Franchement, East Letter, c'est un menteur, un God Kid, un God Kid. Tout le monde a des enfants. Tout le monde doit s'occuper des enfants. C'est quoi cette manière de dire j'ai les enfants? Juste tout ça pour que le public soit derrière lui. Range ton téléphone, toi, là-bas. Tout ça pour que les enfants... Qu'est-ce qu'il nous fait, Abibi? Je sais plus c'est quoi le nom. Playmaker, mes couilles, ah, les gars. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, Tom le faisait en 2004. Allez. Ouais, quand il était à ses débuts. Allez. Ouais. Allez, en tout cas, c'est Thor qui prend l'avantage. C'est Thor qui a pris un avantage. J'aime beaucoup. T'as pas pour un tomber. Non. Allez, non, levez-vous. C'est Thor. C'est vrai, il y a trois mecs que de lever. Ouais, hop, il s'est rassis. Il a mis Thor. Non, mais c'est Thor. C'est pas possible qu'il domine. Oh, si, regarde. Non. Non, mais regarde. Non, un, deux, trois. 4, 5, donc j'ai tous s'élevé, 6, oh bah 7, c'est chiant. Il a croisé les bras quoi, il 9, a pas douté. Et 10, si c'était le nouveau champion. Il a quand même mis 3 droites à Baron. Oui, Dolph Ziggler qui est en train de sucer. Ils sont pilés. Les gars, vous avez de la place. Énergie noir sur blanche, on y va au côté du match. Oh, Deathbreaker! Qui se prend. East Letter qui va commencer à faire ses matchs très bien là. East Letter, que se passe-t-il? Il attaque, c'est pareil, il a quand même compris. Ah, East Letter qui commence à être bon. Hein. Oh, pfff! Oh, c'est prise de vieux. Je commenterai pas.
Bobby Lashley qui regarde le sol. Il est dégoûté devant Baron Francher. Il a fait, qu'est-ce que je fais là, moi? Oh, bon, attention, attention, hein, hein. Vas-y, c'est bon. Baron avec sa chemise, qui fait mouiller Christophe. Ouais. Attention, Baron qui est projeté. Ah, voilà. Il s'est torqué. Il va reprendre le dessus maintenant. Oh. Voilà. Oh, oh, le choc, shame. Oh, joli, joli. Oh, joli, 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 Johnny, oh, Johnny, Johnny. Ouais, c'est fini, c'est bon. 1, 2 et 3, victoire de Baron. De toute façon, c'était fini. On a même pas eu le Worldwide of Day. Y'a pas besoin contre les deux. Idol Kids. Y'a pas besoin, Baron Corbin, qui a évidemment gagné ce match. Mais c'était d'avance. En même temps, ils sont cash. Ils ont pas joué. Ouais, bah c'est ça, Randall. Et donc, Baron qui a gagné. Deux matchs sans derrière. Bien joué, Baron. Voilà quoi. Juste un choke time et une petite brise, C'est tout. Voilà, regardez Layo, il était content. Normal, Layo, il a pas de carrière. En tout cas, ce match était exceptionnel pour Baron. Pour Baron Corbin, j'ai pas du tout. Oh là là. Il était clair comme commentateur. Allez, on va pouvoir s'arrêter. Regardez-le là, quelle victoire succulente pour cette catcher qui mérite d'avoir sa place pour le titre. Je pense que prochainement il aura des matchs pour le titre. Très belle victoire. Ah ouais? Vous pensez? Franchement, c'était un match très compliqué. Enfin voilà quoi, t'as vu ce qu'il a fait? Bah justement. Et, genre c'est Jim 2 ans en Contina là. Ah pas du tout, pas du tout. Il a gagné, c'est énorme. Allez, on passe à la suite. À la suite. De retour, chers compatriotes, pas du tout, oui, peut-être, parce qu'on est français, donc on est compatriotes, mais pas avec compatriotes, les Américains, ouais. Du coup, ça marche pas, compatriotes. On est patriotes, on est une compote. On est du paprika, on y va, on continue. On est parti pour un Fatal 4-Way match. Oui. Pour le titre, WWE, The SmackDown. Et voilà qui arrive en premier participant. Bah ouais. Je vous laisse l'annoncer parce que j'ai soif et que j'ai plus de gorge. Je ne bois pas depuis tout à l'heure, mais bon, on voit les professionnels et les débutants, donc on disait, on est en train de présenter Drew McIntyre. Le psychopathe écossais. L'écossais, il aime se faire appeler. L'ancien champion NXT. Il est là pour tout simplement détruire ses adversaires. Comme Ezekiel Jackson à l'époque. Pour la Monsieur, vas-y, c'est ton show, fais-toi plaisir. Je disais, il est là pour détruire ses adversaires. Parce que c'est un psychopathe écossais. Et ce mec détruit tout le monde depuis son arrivée, depuis son retour. Ce soir, il va peut-être perdre. Du coup, il a gueulé, il va saouler. Allez, on enchaîne. Bon show. Ouais, c'est Itaro, il est venu là. Alors, c'est qui maintenant? Et qui se bat. Oh, bah évidemment. On pourra demander vous, Chris. Évidemment. Coach. Chris. Bonita. Mais c'est bien sûr Seth Freaking Rollins. Waouh. Le talent. Voilà, c'est le meilleur talent de SmackDown. Ah, clairement, le meilleur talent. Ah, et a plus besoin de le présenter. Ah, Seth Freaking Rollins. Plus besoin de présenter Seth Rollins. Ah, une légende. Tout le monde le connaît. Une légende avant l'heure, c'est ça. Comme Ric Flair. Ce soir, clairement. Le favori de ce match. Ah, moi je mets ma pièce sur Rollins, excusez-moi. Évidemment, le gros favori de ce match. Ah ouais. Mais il y a quand même Drew qui est vénère en face. N'oubliez pas que c'est un bon set Rollins. N'allez pas voir Raw du coup. Ah, il y a moyen de faire un très beau match. Il y a moyen, pour l'instant nous avons trouvé set Rollins. Que du bon. Ah, que du bon dans le cochon. Je vous le fais pas dire, Christophe. Comme le tank de tout à l'heure. Ah, il est très apprécié, Rollins. Ah oui. Depuis qu'il est plus heal. C'est le favori. Ah bah oui. Hein. Le grand favori de ce match. Perfect Ten. Le mauvais favori. Le mec pas là. Ah là là, Seth fucking Rollins qui rentre dans le ring. Ouais, avec cette entrée toujours mythique maintenant. Ouais. Waouh. Waouh. Sur des styles au fond, je vois. Ah, tu vois, il y en a qui sont trop peu de chaud. Les mecs, ils viennent de Raw, ils sont en mode les gars. Les gars, je suis peut-être mieux ici. Voilà. Je suis déçu, ce qu'il y avait Baron. Ouais, non, ils sont très contents. Non, justement. Beaucoup de fans de Rollins présents ce soir. Ah, tu m'entends très bien, les acclamations. Ouais. Effectivement, ils sont très très contents. Regardez, ils sont tous debout là. Il y a encore un gosse qui a le t-shirt de trousse et de. Voilà quoi. Et voilà, voici venir. Voici venir. La légende. Bah non. L'Apex Predator. Ouais. Legend Killer. Ok. RKO All Time No More.
Et Bob? C'est pas Orton. Ah, ok. Tout simplement, The Viper. Apex Predator, comme a dit Jojo. Ready! J'avais fait de reprendre votre souffle entre les deux, parce que j'ai cru que vous alliez faire un AVC. Va bien, je n'ai pas du tout de favori, les gars. Non, ça se voit pas. Mais. Non, je suis impartial et martial à la fois. Qu'est-ce que tu sonnes, j'espère que... Armatial aussi. Oh bah, ils ont fait de bon homme. Eh, ce match va être extraordinaire. Comme dirait un catcheur, phénoménal. Ouais, mais t'es pas vrai que tu faisais catch-up. Du coup, Nal fait nos. Ronaldo. Ce sera Ronaldo, donc c'est très cool. Je dirais qu'il sera même ensemble. Ça, j'ai le droit. Ah oui, c'est pour catcher. Et parce que oui, remis cette officiellement, c'est pas top. C'est vrai. Chez McMahon aussi. Ah, je suis en train de construire là. En tout cas, un des favoris aussi, Randy Orton. On va pas se le cacher aussi. Directement. Quand même apprécié. Ah, quand même apprécié. Hein. Son heal, comme eux-mêmes. Malgré qu'il soit quand même un peu heal dans l'histoire. Mais ça n'en fait pas. C'est un très bon heal. Reste quand même fan. Actuellement, le deuxième favori, je dirais. Je pense aussi. Très clair. Il reste un catcheur qui n'est pas arrivé. Et on sait pas c'est qui. Non. Patrick. C'est vrai. Avec Garou pour un featuring. Ah, ça va bien. Non. Le dernier participant. Et c'était la surprise. Oh! Le retour des Québécois. Les Québécois, hein, on l'a. Québécois, Sami Zayn. évidemment, hein. Il parle français, il est toujours aussi taré, les gars. Et oui, un retour surprise de Sami à SmackDown. C'est pas assez... Ouais. Ouais, tout le monde est content, sauf toi. Non, mais... je suis content, gars. Oh. 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 C'est qui? Ah, ok. Ouais, c'est mieux. Sami Zayn qui est finalement la surprise du match, parce qu'après tout, clairement pas le favori en voyant les trois autres. Non. Mais clairement, le plus rapide. La surprise. Un peu le Kofi Kingston du jeu. En blanc. C'est. En roue. Regardez-le. Moi, tu vois, je sais pas pourquoi. Je pense que Sami va gagner le match. Sami qui était déjà de retour au début du show avec Kevin, comme vous avez pu le voir, mais on pensait pas qu'il serait dans le match. C'est vrai. Déjà une surprise qui était là tout à l'heure, mais il a pas fait grand chose. Bah, les gens pensaient qu'il était encore blessé, il était juste là pour soutenir Kevin. Et non, il est bien de retour pour le W en plus. Aux affaires. Et pour le titre, il est complètement chaud. Moi je sens que Sami va gagner. Son pote a pas gagné, malheureusement. Sami va gagner. Sami va gagner, vous misez dessus? Ouais, je sais pas. Tu vois, je miserais. Ça peut être une très bonne surprise. Moi je miserais sur Rollins, mais je sais pas. Le clou du spectacle, moi je dirais Sami. Je sens un petit Drew McIntyre qui peut arriver à tout moment. Ah ouais? Bah on va voir ça tout de suite, mon cher Christophe. Orton, on sait jamais comment il peut jouer. Tout va se jouer entre ces 4 catchers. Tout va se jouer. C'est parti. Merci, coach. De rien, c'était la cloche. Allez, on continue. Hop là, ça démarre très vite. Oh, Sami, bah les deux acrobates contre les deux. C'est ça. Les deux vicieux. On y va. Ouais, c'est ça. Ah, oh, le petit tombé à 2-3, c'est la fin du jeu. Dans des publics. Avec Sami Zayn, ils ont arrêté parce qu'ils entendent du Drew McIntyre faire un tombé. Ça fait 2, hein. Ça fait 2, attention. Ouais, ça. Il a essayé. Le match le plus rapide de l'univers. Oh, le public qui est dégoûté de voir McIntyre qui a fait un tombé. Alors que pourtant McIntyre, moi je l'apprécie beaucoup depuis NXT, il a gagné le titre, tant pis. Ah, les acrobates contre les acrobates. Coup de coude d'Orton. Ah, il y a trop de matchs dans le match. Ouais, deux matchs en fait. C'est ça. Pour l'instant, les deux autres ils s'envoient dehors, ça fait deux fois. Ouais, mais ils y retournent, regarde, ça fait toujours plaisir. Orton, cas. Non, Orton qui préfère vicieusement. Ah, voilà. On connaît Orton. Orton, voilà. Ah, Sami qui contre. De vicieux. Sami en tout cas qui s'en prend à Rollins, hein, Ouais, maintenant c'est l'inverse, mais. Ouais. Oh, tombé d'Orton. Oh, il y a Rollins. Ouais. Oh, Sami qui en va profiter. Ah, joli. Joli de la part de Sami Zayn directement. Pour McIntyre. Alors là, nous avons quand même pas mal de Orton, McIntyre, Sami, Rollins. Les autres ne sont pas tapés. Pour l'instant, ils ont choisi leurs adversaires. Hein. C'est ça. C'est ça. Sami qui sait pas quoi faire en ce moment. Okay. Ça a changé cette fois, c'est Sami et Sami. Ça change les rôles. Oh, Sami. Sami qui chauffe le public. Content d'être là ce soir. Tout le monde s'en branle. Il est soutenu. Oh, sauf Rollins, que Rollins, ouais, Rollins, ne jamais tourner de Rollins. Non, jamais, sauf si vous aimez. Faut le prendre dans le cul. Alors Christophe, il y a des enfants qui nous regardent. Oh là, Drew qui est en train de... Oh là là, c'est magnifique. Oh, belle corde à linge. J'ai cru qu'il allait passer par-dessus. Non, c'est en train de se mettre sur la gueule. Ah, du fou. Y a pas d'autre mot à dire.
Un très beau match. Un match technique dans le ring. Oh, Rollins. Oh, joli. Joli Rollins. Le coup de pied. Edwards, c'est USC, les gars. Ouais, j'avoue. Orton qui a l'ascendant. Hein, Orton, clairement. Orton. Oh. Prochaine plaque intérieure. Dans... Ah, oui, il a l'ascendant, clairement. Joli souplex. Orton qui va nous faire. Il le remet sur le ring, McIntyre. Ah, ça revient dans le ring, ça va repartir. Dans un fatal four-way. C'est ça. Soumission de Sami quand même, ouais, attention. Oh là, Orton qui arrive. On sait jamais. Ah, McIntyre qui en, qui en veut, McIntyre. Orton. Hein. Eh oui, oui, ils en profitent. Ils ont pas. Depuis le début, ils se tapent. Ça a pas changé d'adversaire. C'est vrai. C'est vrai. Oh, Sami est chaud ce soir. Ah, Sami est très chaud. Hey, est-ce que ce serait pas vraiment la pièce idéale et surprise de ce soir? Ah, c'est possible. Oh, mais Sami, attention, ça repart. Ah, enfin, oh, des nouveaux adversaires. Changement d'adversaire. Rollins qui a pris une vague sans blesse. Orton qui est KO dehors. Oh, Sami qui. C'est pas. Qui panique. Sami contre McIntyre. Donc, comme. Ouais. Dragon Suplex. Bien joué. Stylé. Ah, le contre de McIntyre, je crois. Ouais, très bien. Ouais, McIntyre qui contre. Orton qui se relève petit à petit. Oh, le public qui. Qui... Ah, tu... McIntyre. Ah, qui eut vraiment McIntyre, c'est ignoble. C'est ignoble ce que vous faites. Hein, c'est nul, hein. Mais en tout cas, Sami qui. Ça... C'est son match. Oh. Orton qui lui a fait le coup du lapin. Sami qui est mort. Ah non, attendez, là, on entend l'ambulance qui arrive. Sami qui vient de revenir. On nous dit qu'il est mort, on a enlevé les défibrillateurs. Pour la deuxième fois, qui passe. Pas. Ah non, au contraire. Oh là là, Randy Orton, ouais. Nitti, deuxième grand apport d'Nitti. Boum. Qui est apporté par Orton et... Oh, le super kick de Rollins. Super kick. Oh, mais ça s'enchaîne. Oh, oh. Ça enchaîne. Leur KO. Oh, leur KO. Orton qui prépare leur KO. Rollins qui part pour un moussault. Orton déjà. Oh, le KO. Il est passé. Il est passé. Il est passé. Et Rollins. Le curb stomp. Qui part pour le curb stomp sur sa vie. Mais Orton va gagner. Non. Rollins. Ça va se jouer entre Rollins et Orton. Non, il relève McIntyre d'ailleurs. Ok. Orton qui a bien compris qu'il fallait virer. Le plus fort. McIntyre qui saigne. Sami qui saigne aussi. Eh ben attendez, mais il a juste à faire le tomber. Sami est full mort. Oui, c'est ce qu'il va faire. Orton non. McIntyre qui va voler. Ah McIntyre, non, Rollins qui est là. Ils sont tous là. Oh, oh, ils sont tombés. Oh là, attention. Ils sont rentrés dedans. Orton. Orton non. McIntyre qui est ultra chaud quand même. Franchement, ouais. Ah. Ok, Orton qui a repris l'ascendant. Nous avons deux personnes qui saignent actuellement. Oh, Sami, ouais. Sami. Oh, regardez Sami en scred. Non, Orton l'a pas. Oh, c'était bien tenté. Bien tenté par la part de Sami, ouais. Ah, cette Rollins. Rollins qui fait souplesse. Orton qui prend une souplesse à son tour. Bien, ouais. Ah, oh, Sami qui va en profiter. Oh, oh, McIntyre qui est de retour. Sans Orton, je pense. McIntyre qui. Qui a fait un. Qui va l'enlever par-dessus. Hop, par là-dessus, à troisième corde. C'est bien, Christophe. Sami. Salut. Sami. Je sais pas comment ça s'appelle. Tornado pour bombe. Ok. Je connais que les Louva Kick. Il va nous faire quoi? Sami. Il nous prépare un truc. AVC. Bah, il saigne en même temps. Non, il a. Il a une voix un peu floue, les gars. Il saigne un peu. Pour l'instant, on dort, ça repart en UFC. C'est ça. Et il le ramène dans le ring. Ça revient. Ça saigne aussi du côté de McIntyre. Ouais, ce que je dis tout à l'heure. Ça saigne beaucoup, même. Ça saigne beaucoup de tous les catcheurs. Ouais, ce serait pas un Louva Kick? Les gars, oh, oh. Que fait Sami? Sami, Orton sur un troisième corde en ce moment. Oh oui. Orton descend tes genoux. Sami. Et pendant ce temps, Sami. Sami Zayn. Oh my god, la soumission d'Orton. Qui fait une prise. Une soumission. Orton qui gagne par soumission, c'est sur un. This is awesome. Je comprends. This is awesome. Je suis d'accord avec eux. McIntyre, contrée. Orton qui a tapé des prises qu'il faisait jamais. C'est vrai. Il fait le show devant tout le monde. Attention, il y a quelle erreur, je pense. Bah ouais, quelle Orton erreur, pourtant qui a une grande carrière et qui fait toujours les oh. Oh, le classe. Oh, oh. Ça peut jouer là-dessus. Un. C'est fini, il est complètement deux. KO. Deux. Oh. Bien joué, Orton. Tu il du était mal. Complètement KO, il a réussi à se relever. Du Glasgow kick. Kiss. Qui c'est, Yana? Oh là là, ça devient compliqué. Le genou. Oh, Orton qui est debout. Intérieur complètement KO, Orton qui enchaîne, il le met complètement en la manche, il l'enchaîne. Oh, 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 attention, retournement de situation. Orton. Orton. Ah. Ça va repartir sur Orton et McIntyre. Orton qui a contré. Oh. Orton qui. Ça part pour DDT. Sami qui laisse faire. Il va en profiter, je pense. Il attend d'être opportuniste ici. Il regarde Orton. Et là, il se dit. Qu'il va rien faire. Là, c'est ça. Que fait Sami? Sami, après, il est bizarre. Attention, Sami, on sait les choses. Mm. Dans sa tête, ça va pas bien. Il s'occupe d'Orton. Sami qui part. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Aussi un net sweep. Orton qui a l'avantage. Attention à Rollins qui est déjà debout à l'extérieur du ring. C'est ça. Oh, projeté dans le coin. Attention, Rollins. Retour. Il surprend Orton. Il surprend Orton. Si, c'est bon. Capture souplex. Ouais. Oh, joli. Oh, joli. Avec un tombé.
McIntyre qui l'a pas vu. Ah si, c'est moi, il l'a vu, il l'a capté. Il aurait pu sur ça, ouais. Orton qui est dehors. Oh, Orton, c'est fini. Oh, German. German. Belle German souplesse. McIntyre. Non, non. Le Claymore kick. McIntyre prépare quelque chose. McIntyre pour Claymore kick. Claymore kick. Claymore kick. Cette rolline est complètement KO. Sami Zayn. Non, Sami Zayn qui est juste là. Ah là là, ça finira jamais. Ça finira au froid. Oh, il a enchaîné. Non, Sami. Sami, Sami. Que fait Sami? Oh, il jette McIntyre par la ceinture de corde. Il veut faire le tomber, non? Non? Il sait plus, il tente une soumission. Ah, on sait jamais, ça peut passer, hein. Il a pris un Claymore kick. C'est possible! Et cette rolline est complètement KO, il y a moyen qu'il abandonne. J'ai cru qu'il avait tapé, Orton qui a enculé l'arbitre! C'est vrai. Ouais, moi aussi j'ai cru. Mais Orton a tapé l'arbitre. Attention. Sami était à deux doigts de gagner. Ça aurait été une surprise. Ah, McIntyre. Incroyable, Rollins qui pète un plomb. Ouais. Mais erreur, il a fait l'erreur tout à l'heure. Oh non. Ça va se Sami. Jouer. Allez. Qui saute. C'est ce match est incroyable. Incroyable. Oh, ouais. Bon. On sait pas qui va gagner à tout moment. À tout McIntyre moment, fait gagner. Rollins aussi. C'est ça. Orton aussi, Sami aussi. Tout le monde était à deux doigts de gagner. C'est ça. Attention, Terror During, c'est là le plus important. C'est là où il y a un tombé. Les Terror During, en tout cas, ça se tabasse. Ça se tabasse en mode UFC. Oh la vache. Orton qui tape le vide. Allez. Oh la vache d'or, ça s'encule. Oh Sami. Oh, contré par Orton. Contré par Orton. Erko! Erko! Erko, faut me donner! Et le dropkick à l'extérieur! Oh, ça va être la fin! Ils seront pas un! 2! Et 3! Et 3 nouveaux champions! Le Erko from nowhere! Avec Erko sorti super sur Sami Zayn! 1, 3, Erko from nowhere! Le super kick! Le super kick avec le DDT qu'il y avait derrière! Erko! Le Erko! Et après il y avait le carton, je ne sais pas s'ils vont le montrer ici! Et il le montre au stagiaire! Ok! Le stagiaire qui a tout coupé! McIntyre qui a pris un joli DDT! Sami qui l'a aidé! Qui a pété un plomb. Le Claymore kick. Le Claymore kick était magnifique. Ok, pas l'arc au final. Et Orton. Orton. Le champion. Qui devient le visage de SmackDown Live. Bien joué à lui. Champion de WWE. Je suis très content du résultat. Vous m'étonnez. Ça je ne m'attendais pas en vrai. Oui, moi je pensais que c'était Sami perso. C'était un des favoris en même temps. Ah oui, clairement. SmackDown Live va régner sur la terreur. Effectivement. Par le psychopathe Orton aussi, ils sont tous psychopathes de toute façon. Ici c'est le show de psycho. Mmh. Orton en tout cas qui part pour son premier titre de ce show. C'est vrai. Du moins de cette session. C'est vrai. Dans sa vraie vie, il en est loin. Magnifique en tout cas, derrière des fans d'Orton quand même, regardez les pancartes. Regardez, il y en a pas mal. Ils ont vite défendu les pancartes pour changer. Ok, moi cette rouline j'enlève. Hop, Orton, ouais. Il y en a qui sont fans de Orton. Ouais, César en haut. Il y a Daniel Bryan. César tout en haut. En tout cas, magnifique. Ouais, merci à tous d'avoir suivi ce show. La suite au prochain numéro.